Moi, je suis Bruno Maté, je suis agriculteur. J'ai présenté le projet qui s'appelle Flip Agri, qui est en fait un moyen de garder tous les réglages des machines agricoles, les réglages et la maintenance sur le smartphone. Donc mon défi, c'est tout le monde a des smartphones aujourd'hui, c'était d'avoir sous la main toutes les données des machines. Donc on crée des fiches, une fiche par machine, on met la maintenance, l'entretien, les réglages, les photos, des rappels dans le calendrier. Mon petit défi, c'était d'utiliser toutes les fonctionnalités du smartphone. Donc les photos pour repérer un organe à entretenir, le calendrier avec les rappels, comme je l'ai dit, la localisation GPS et déterminer la vitesse, parce que j'ai aussi intégré un petit outil qui calcule le débit en hectares à l'heure quand on travaille dans les champs, et d'avoir ça toujours dans la poche. Hein. L'agriculteur, il a son couteau, une opinelle, un bout de ficelle et le smartphone avec Flip Agri dessus. Comment on faisait ça avant? Ben avant, on le marquait dans le meilleur des cas sur un post-it et qui volait dans la cabine. On le marquait, on a tous fait ça, hein, avec le doigt mouillé sous la poussière, penser à regarder machin. Voilà, c'était un peu plus. Mais c'est tout centralisé C'est dans une. tout centralisé dans une application qui se télécharge. On peut, si on est à plusieurs personnes, utiliser le même parc de matériel. Évidemment, chacun, dès que quelqu'un fait une intervention, c'est sauvegardé, c'est sécurisé, et chacun a la mise à jour de son côté. Enfin, le principe. Il y a déjà des gens qui ont téléchargé cette appli. Ah bah oui, il y en a 4 000 aujourd'hui, 4 000 utilisateurs. Voilà, oui.